Aéroport d'Amdjerassir, 18 août 2020, l'avion présidentiel ayant à son bord le chef du bétail Triste Déby Noatiri. En début d'après-midi, le président de la République effectue une visite privée dans le chef-lieu de l'Enedi Est. Les chefs des départements générateurs des recettes réunis autour du ministre secrétaire général de la présidence de la République, Alzebue Baïmi Debe, pour évaluer les recettes et les dépenses de l'État de la semaine. L'on retient des orientations à la vigilance pour éviter les dépenses. Et puis l'actualité, ce 18 août, est également marquée par la visite du ministre de la Communication à la radiodiffusion nationale tchadienne, au centre émetteur de Gridia et au nouveau siège de l'ONAMA. Il est venu s'enquérir du fonctionnement de ces différentes structures. Merci de nous regarder à travers le monde. Bonsoir à tous et bienvenue sur Télé-Tchad. Je l'ai annoncé au sommaire que le maréchal du Tchad, le président de la République, Idriss Déby Itno, se trouve depuis ce matin à Amdjaras, dans le chef-lieu de l'Enedi Est. Le chef de l'État effectue un séjour privé. Nassoulou Diti. Amdjaras, chef-lieu de la province de l'Enedi Est, a accueilli plusieurs fois le président de la République, Idriss Déby Itno, pour ses séjours privés. Ce mardi 18 août, c'est en sa qualité de maréchal du Tchad que le chef de l'État a rallié Amdjaras. Les mesures barrières édictées par le gouvernement sont respectées à l'accueil. C'est un comité restreint ayant à sa tête le gouverneur de la province de l'Enedi Est, Ngarboudjoum Meder Jacob, et comprenant notamment le commandant de la région militaire, le maire de la ville d'Amdjaras, About Hashim Bouder, et le sultan de Darbilia, Siddiq Timan Déby Itno, qui était au bas de la passerelle. Chef militaire, responsable du mouvement patriotique du salut et chef des services déconcentrés était également de l'accueil. Fini l'étape de l'aéroport situé à 7 km de la ville d'Amdjaras, le cortège présidentiel prend la direction de la résidence privée du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Tout au long du trajet, la population du chef-lieu de la province de l'Enedi Est, qui n'a pas pu effectuer le déplacement de l'aéroport, s'est massée le long de la voie principale pour exprimer toute sa reconnaissance et ovationner le maréchal du Tchad pour son élévation à cette dignité par la représentation nationale le 11 août dernier au Palais de la démocratie à Gassi. Revenons à N'Djamena pour dire que le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Alzebue Baïmi Debe, a présidé ce midi la traditionnelle réunion hebdomadaire consacrée aux régies financières. Au cours de cette réunion, le chef des départements générateurs des recettes fiscales et les directeurs en charge des différents services pourvoyeurs des recettes ont évalué les indices en matière des dépenses et des recettes de l'État. Nassoulou Diti, une fois de plus. C'est tous les mardis que les ministères générateurs de recettes fiscales, avec à leur tête les ministres respectifs et les directeurs généraux en charge des différents services pourvoyeurs de recettes de l'État, se réunissent au palais présidentiel autour du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Paimi Debe, pour faire l'évaluation des recettes et des dépenses du trésor public. La réunion consacrée aux régies financières de ce mardi 18 août, s'inscrit dans la même logique que celle tenue précédemment. Au cours de cette réunion, le point des recettes et des dépenses de la semaine est fait par le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Ngilin. La vigilance doit être de mise en N'Djamena comme dans le Tchad profond en matière de recettes et de dépenses publiques, a-t-il confié au sortir de la traditionnelle réunion hebdomadaire consacré aux régies financières. Le fin mot, c'est de monter en mobilisation, d'être très vigilant et de se surpasser pour atteindre nos objectifs pour le mois, mais également pour l'année, le reste de l'année. Et en même temps, il a été rappelé que les dépenses doivent être rigoureusement contrôlées et suivies ici, mais aussi en province. Des orientations précises ont été données par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Paimi Debe,
à l'effet d'éviter au maximum les déperditions de recettes dues à l'État. Rendez-vous est pris le mardi prochain pour une autre évaluation consacrée aux recettes dues à l'État. Sinassour Noujiti, on quitte le palais de la présidence, direction le palais de la démocratie, où le président de l'Assemblée nationale a reçu les membres fondateurs du mouvement patriotique du salut Bamina Assas. Ils sont allés réitérer leur détermination à accompagner la représentation nationale dans la promotion des valeurs liées à la cohésion sociale. Doba Robert. Quelques jours après l'élévation du président de la République à la dignité de maréchal, les membres fondateurs du mouvement patriotique du salut Bamina Assas sont au palais de la démocratie. Ils sont venus exprimer leur profonde gratitude au président de l'Assemblée nationale, Dr. Haroun Kabadi. Pour les Bamini, c'est grâce aux élus du peuple que le président fondateur du MPS a été élevé à la dignité de maréchal. D'autres questions liées à la culture de la paix, à l'unité et à l'amour du prochain n'ont pas été occultées par les Baminis. Ils entendent mener une vaste campagne de sensibilisation sur l'ensemble du pays pour une cohabitation pacifique entre les différentes entités sociales. Cette initiative est vivement saluée par le président de l'Assemblée nationale, Dr. Haroun Kabadi. Je crois qu'ils ont essayé de nous faire le point, le plan de ce qu'ils sont en train de faire pour le Tchad, pour essayer d'amener les Tchadiens à vivre ensemble dans la paix, la sécurité, et dans la cohésion sociale. Je crois que ce sont les valeurs les plus importantes que les Baminis sont en train de propager sur l'ensemble du territoire. Et ça, l'Assemblée nationale est prête à apporter sa contribution pour que ces valeurs-là soient comprises par l'ensemble des peuples, du peuple tchadien. Le président de l'Assemblée nationale, Dr. Haroun Kabadi, promet de soutenir toute initiative en faveur de la paix et de l'unité entre les différentes communautés. Signature de convention pour l'expérimentation de la plateforme informatisée de gestion de l'aide extérieure entre le ministère de l'économie et de la planification du développement et l'Union européenne. Cette convention revêt d'une importance capitale pour le Tchad, nous dit donc Innocent Kilayo. Des montants de 100 millions de francs CFA, la signature de cette convention, Lyon Développement Gateway au gouvernement, couvre la période allant d'août 2020 à janvier 2022, soit une durée de 18 mois d'activité. Pour le ministre de l'économie, de la planification du développement et de la coopération internationale, la plateforme informatisée de gestion à l'aide PGA est un outil qui permettra la maîtrise des informations sur l'aide extérieure et une mise à jour de l'ensemble des modules existants pour mieux répondre aux besoins. Le gouvernement, à travers la mise en œuvre de cette plateforme, traduit une fois de plus son engagement en faveur d'un dispositif plus cohérent et opérationnel visant à renforcer les capacités des acteurs nationaux et à identifier les interventions stratégiques et prioritaires à mettre en œuvre pour une gestion efficace de l'aide. À travers cet outil, il s'agira premièrement d'affirmer les priorités du Tchad en matière d'orientation de l'aide, de renforcer les instruments pour une prévisibilité accrue des flux de l'aide, de clarifier le rôle de chaque acteur, d'améliorer le cadre de recherche, de négociation et de mobilisation de l'aide. En plus de l'utilité que présente la plateforme informatisée de gestion de l'aide, la PGA a une importance capitale pour le Tchad. Le ministre de l'économie, de la planification du développement et de la coopération internationale invite tous les ministères sectoriels, les partenaires techniques et financiers ainsi que la société civile et la presse à se rapprocher de son département pour avoir accès à cet outil. Des exposés sur les avantages de la PGA ont été présentés lors de cette signature de convention. L'ambassade des États-Unis au Tchad s'engage pour sa part à apporter un appui à deux organisations locales, à savoir l'Université populaire et le Centre d'éducation des enfants retardés. C'est pour leur permettre de réaliser leurs activités et surtout œuvrer pour le bien-être social. La convention a été signée entre les deux organisations et le chargé et la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Tchad, Jessica Davisba. Marale Joséphine.
C'est une convention d'un montant de 25 000 dollars, soit environ 12 millions de nos francs CFA, qui vient d'être signée entre l'ambassade des États-Unis d'Amérique et deux associations à caractère social. Elle permettra aux bénéficiaires de réaliser les activités programmées, notamment la prise en charge des jeunes ayant fui la crise en République centrafricaine et la réalisation des activités du centre d'éducation des enfants retardés mentaux. Un appui que la chargée des affaires à l'ambassade des États-Unis d'Amérique justifie son importance. Le département d'État et notre bureau de population, réfugiés et migration a annoncé cette initiative pour la première fois en octobre 2000, sous la direction de la secrétaire de bureau de population, migration et réfugiés, Julia Taft, et après, ces fonds sont nommés dans son honneur. Le but de ce programme, c'est de fournir aux ambassadeurs, aux chefs de nos missions partout au monde, les moyens de vraiment de célébrer et de provisionner des organisations locales qui ont reconnu les lacunes dans les communautés et qui ont des initiatives spéciales pour aider les réfugiés. Au nom des bénéficiaires, le coordonnateur de l'Université populaire, Alatan Gariban, s'est réjoui de l'acte posé par le partenaire en faveur des associations et promet gérer rationnellement ces fonds au profit des intéressés. Je l'annonçais en titre que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Chérif Mahamat Zine, a visité ce matin les services de la radiodiffusion nationale tchadienne, le centre émetteur de Grédia et aussi le nouveau siège de l'ANAMA. Au cours de cette visite, le ministre de la Communication a pu s'enquérir du fonctionnement des médias publics. Youssouf Abdraman Aligat. Un mois et trois jours après sa nomination au gouvernement du 14 juillet, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Chérif Mahamat Zine, a bien voulu être en contact direct avec le personnel de l'ONAMA. Le ministre est venu s'enquérir des conditions de travail de ses collaborateurs et leur dévoiler les axes majeurs de la mission qui lui a été confiée par les plus hautes autorités du pays. C'est le lieu pour le directeur général de l'Office national des médias audiovisuels de présenter la situation de la structure. L'ONAMA a besoin que vous gouverniez encore CEPA pour qu'il devienne différent de ses ancêtres. Nous les rendons différents par la positivité qui caractérise nos actions. Nous les rendons différents par la fidélité à la vision du gouvernement. Nous avons compris très tôt, à la faveur des expériences vécues, que la gestion des biens et des matériels, les conditions de vie et de travail des agents que nous sommes, la qualité des programmes, la prise en main du siège, la couverture intégrale du territoire en radio et télévision sont entre autres les défis majeurs. En son intervention, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Chérif Mahamat Zine, invite le personnel de l'ONAMA à l'efficacité et au professionnalisme. Sur la même lancée, le chef du département appelle à une synergie d'action et de répondre aux attentes du public, auditeurs et téléspectateurs. De cette rencontre de prise de contact, le ministre de la Communication a visité la régie d'antenne, le studio d'enregistrement et l'émetteur de la RNT. Chérif Mahamat Zine s'est prêté aux questions de l'animateur du programme. Ensuite, le ministre s'est rendu au centre émetteur de Grédia où il a constaté quelques difficultés après les explications fournies par les techniciens. Il a donné des instructions et des orientations précises pour décanter des problèmes liés à la formation des agents et à la clôture des dix centres. De Grédia, le cap a été mis sur le nouveau siège de l'ONAMA où le ministre a touché du doigt les réalités techniques. Il s'agit des équipements de pointe et des conditions appropriées, des studios d'enregistrement, de montage à la production, des archives numériques et des studios plateaux. Rien n'a été occulté. Cette visite a permis au ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, d'être reçu au flash de 13h30, une édition spéciale au cours de laquelle le chef du département a situé l'objet de sa visite dans les entités sous tutelle. Comme vous venez de suivre dans le reportage, le ministre de la Communication, Chérif Mahamat Zine, appelle le personnel au sens de professionnalisme. Extrait. Je suis là certainement pour vous faciliter votre travail. Je ne suis pas venu pour faire votre travail à votre place, mais je suis venu juste pour vous faciliter votre travail. Donc, je suis membre du gouvernement et je suis votre représentant au gouvernement.
je suis tenu de porter toutes vos difficultés à l'attention du gouvernement et je suis tenu également de proposer au gouvernement des solutions aux difficultés auxquelles vous faites face. C'est un peu ça ma mission. Mais de l'autre côté, il faudrait que le contrat soit respecté. Et j'insiste là-dessus. Parce qu'il ne faut pas attendre tout de l'État. Il faut apprendre à travailler avec le minimum pour obtenir des résultats à la hauteur des attentes des uns et des autres. Et j'ai déjà eu à le dire quand j'ai visité l'agence tchadienne de presse et d'édition. L'État a injecté d'énormes ressources. Le siège que nous voulons réceptionner d'ici avant la fin de l'année en cours a englouti des milliards, des dizaines de milliards. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait presque 9 ans ou plus, nous ne l'avons pas encore réceptionné. J'ai visité la TPE, j'ai découvert quelque chose qui m'a totalement sidéré. L'État a injecté 900 millions pour acquérir en 2012 une imprimante qui était destinée donc à cette agence pour imprimer avec ces journaux. Malheureusement, en 2020, j'ai constaté que l'imprimante n'est pas utilisée et que l'ATP fait imprimer ces journaux dans une imprimerie privée. À qui la faute? Vous pensez que c'est l'État? Non. C'est de votre faute. Vous auriez dû dénoncer cette situation dès le départ pour dire soit la machine ne répond pas, soit pour dire que cette machine n'est pas utilisable parce que nous n'avons pas les compétences requises. Et c'est ce que j'ai appris au niveau de l'ATP. Ce n'est pas que la machine ne répond pas, mais il n'y a pas d'expert qualifié pour son utilisation. Donc, ça veut dire qu'on a mis la charrue avant le bœuf. Au lieu de former le personnel et d'acheter une machine, on a acheté une machine et on n'a pas formé le personnel. Donc, voilà. Donc, nous devons mettre l'accent maintenant sur la cohérence dans la démarche. Et nous devons mettre l'accent certainement sur le renforcement des capacités de nos journalistes. Autre préoccupation exprimée par le ministre de la Communication, la spécialisation des journalistes dans divers domaines. Je vous propose de l'écouter. J'ai tenu une réunion avec l'ensemble des responsables des médias publics. Je leur ai demandé s'il y a des journalistes spécialisés. Parce que dans le reste du monde, c'est comme ça. S'il s'agit d'un débat qui porte sur la santé, il y a un spécialiste, il y a un journaliste qui est spécialisé dans le domaine de la santé qui est désigné pour aller soit animer, soit expliquer. S'il y a un débat sur l'économie ou sur l'environnement ou sur les conflits, les questions sécuritaires, vous devez toujours trouver un journaliste spécialisé. Malheureusement, lors de cette rencontre avec vos différents responsables, il m'a été donné de constater que vous êtes tous des généralistes. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, pas plus tard qu'hier, dans l'après-midi, j'en ai parlé avec la coordinatrice résidente des Nations Unies ici. J'ai dit si son institution peut nous aider, au moins à commencer avec la spécialisation de nos journalistes. Donc, nous allons faire également de notre mieux au niveau du gouvernement pour que dans chaque domaine, qu'on ait au moins 2-3 spécialistes. Nous allons commencer avec 2-3, mais il va falloir poursuivre et renforcer ce processus de spécialisation. Restons toujours dans le domaine de la communication. Le syndicat indépendant du personnel de la radio et télévision du Tchad, Siprat, a un an. À cette occasion, le président du dit syndicat, Abdel Sadir Ali Amat, a fait un point presse. Extrait. La célébration du deuxième anniversaire du Siprat, syndicat indépendant du personnel de la radiodiffusion et de la télévision, intervient dans un contexte exceptionnel. C'est pourquoi nous avons décidé de les placer sous le thème « L'apport des professionnels des médias dans la sensibilisation contre la COVID-19 ». L'an 2 de la naissance du Siprat, créé le 17 août 2018, nous offre l'occasion de féliciter Son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, pour son élévation au titre de maréchal du Tchad, pour ses hauts faits d'armes et du sacrifice consenti pour défendre l'intégrité du Tchad et de la sous-région.
Nous profitons de cette même occasion pour féliciter le gouvernement de la République du Tchad pour ses efforts ayant permis de rétablir partiellement les AGS des travailleurs du secteur public malgré la crise économique. Nous espérons que cela s'appliquera également aux indemnités et aux différences des salaires des agents de l'ONAMA. Nous souhaitons plein succès au nouveau ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, et l'encourageons à œuvrer sans relâche pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents de l'Office national des médias audiovisuels ONAMA. Chers camarades, le chemin parcouru en 2 ans par les CIPRAT est certes satisfaisant, mais certaines de nos revendications restent pendantes. C'est pourquoi nous rappelons à l'administration que notre cahier de doléances reste toujours d'actualité. Pour finir, nous saluons l'esprit et l'engagement des camarades qui continuent à cultiver la solidarité, la fraternité et le respect des uns et des autres dans les cadres professionnels. Point de presse du président du CIPRAT à l'occasion de l'an 2 du 10 syndicat. Nommé le 14 août 2020, le commandant de la garde nationale et nomade du Tchad, le général des corps d'armée Mohamed Saleh Ibrahim et ses adjoints ont pris officiellement fonction ce 18 août. La cérémonie de passation de service a été présidée par le ministre de l'administration du territoire, Mohamed Ismail Chaïbo. Varelach. Le ministre de l'administration du territoire et des collectivités autonomes, Mohamed Ismail Chaïbo, est dans la cour de la garde nationale et nomade du Tchad. Le chef du département de l'administration du territoire et des collectivités autonomes est venu installer le commandant de la GNNT, le général du corps d'armée, Mohamed Saleh Ibrahim, nommé à la faveur du décret numéro 1782 du 14 août 2020. Il remplace à ce poste l'ancien, le général de brigade, Souleymane Diguiré, Koudoulé, qui a passé 1 mois et 3 jours. Le commandant de la GNNT sortant, Souleymane Diguiré Koudoulé, dans son intervention lue par le chef d'état-major de cette institution de sécurité, Aliki Ahmad Aliki, a remercié le président de la République, chef suprême des armées, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, pour la confiance placée en lui. Tout en félicitant le commandant de la GNNT sortant pour des loyaux services rendus, le ministre de l'administration du territoire et des collectivités autonomes, Mohamed Ismail Chaïbo, invite le commandant de la GNNT entrant à la rigueur dans le travail et au professionnalisme. Monsieur le commandant de la garde nomade nationale du Tchad entrant, ce choix n'est pas fortuit, car il est la marque de confiance placée à votre égard, de votre personnalité et votre qualité de meneur d'homme, à même de redresser ce corps et lui redonner ses lettres de noblesse. Le commandant de la GNNT entrant, Mohamed Saleh Ibrahim, lui aussi dans son intervention, lui au cours de cette cérémonie par le chef des bataillons, Youssouf Khamis Arami, a d'abord remercié le maréchal du Tchad, Idrissa Déby Itno, pour cette confiance placée en lui. Il entend se mettre résolument au travail avec tous les hommes de rang pour l'accomplissement de cette mission. La signature du procès verbal entre le commandant entrant et sortant de la GNNT en présence du ministre de l'administration du territoire et des collectivités autonomes, Mohamed Ismail Chaïbo, a mis un terme à cette passation de service. On vous annonçait dans nos éditions antérieures, le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Abdoulaye Sabre, et le secrétaire d'État à la Santé publique, Didi Ali Sougoudi, ont visité hier l'hôpital de l'Amitié Tchad-Chine. Les deux ministres sont allés s'enquérir des conditions de travail des agents et aussi de la prise en charge des malades dans cette structure hospitalière. Apolline Gani. L'hôpital de l'Amitié Tchad-Chine est l'une des structures les plus importantes pour la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière sanitaire. C'est pour s'imprégner des conditions de travail des agents que le ministre de la Santé et de la Solidarité nationale, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, et le secrétaire d'État de ce département, Dr Djidi Ali Sougoudi, ont fait cette descente. Une visite qui a commencé par le centre d'ophtalmologie. D'ici, au service de la gynécologie obstétrique, à celui des urgences pédiatriques, de la néonatologie,
au laboratoire, à l'urologie, bactériologie, en passant par le service de biochimie, la centrale de production d'oxygène et le pavillon des urgences, les premiers responsables de la santé ont exprimé leur compassion aux patients tout en constatant les conditions de travail des agents. L'occasion est tout indiquée pour les différents responsables et médecins de présenter leurs services respectifs et les conditions de travail. Dans la présentation des difficultés, il ressort que la centrale de production d'oxygène installée en 1994 et qui alimente le bloc opératoire et le service de réanimation est en panne depuis 2014, ce qui a entraîné sa fermeture. À ces difficultés s'ajoute l'insuffisance des médecins spécialistes, des appareils appropriés, le manque de recyclage et de formation des agents. Tout en considérant les difficultés évoquées, le secrétaire d'État à la santé a appelé les agents à fournir plus d'efforts et surtout à un travail de qualité. Le directeur général Hamid Jabbar a fait ressortir quelques défis, entre autres la gestion des ressources humaines, la qualité des soins et l'organisation des urgences. Il y a un gros effort qui doit être consenti à ce niveau-là pour que la qualité des soins dans cet hôpital soit digne de cette structure, mais aussi digne des attentes des malades qui sont référés, qui sont accueillis ici. Abdoulaye Sabour Fadoul a rassuré le personnel de l'hôpital de l'amitié Tchatchin de sa disponibilité de l'accompagner dans ses activités. Ce matin encore, le ministre de la Santé publique Abdoulaye Sabré et la ministre de la Femme, cette fois-ci Amina Priscille Longo, ont rencontré les membres du sous-comité assistance de gestion de la crise sanitaire, le DG de l'ONASA et les maires des communes d'arrondissement. C'est pour échanger, recueillir leurs avis en vue d'élaboration du plan d'intervention au profit des victimes des inondations. Apolline Gagné. Le ministre de la Santé et de la Solidarité nationale, Dr Abdoulaye Sabour Fadoul, son collègue de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Amina Priscille Longo, le directeur général de l'ONASA, Asset Gamar Silek et les maires de la capitale ont échangé avec les membres du sous-comité assistance de gestion de la crise sanitaire dans le but d'assister les victimes des inondations en cette saison des pluies. L'accent est mis sur la disponibilité des céréales, l'identification des couches vulnérables et le plan d'intervention. Pour les membres du sous-comité assistance, 6848 ménages les plus vulnérables ont été identifiés dans les 12 quartiers de la commune du 8e arrondissement. Le directeur général de l'ONASA, Asset Gamar Silek, rassure de la disponibilité des céréales, du niébé et du sucre pour voler le plus rapidement possible au secours des nécessiteux. De cette rencontre, les deux membres du gouvernement et la délégation qui les accompagne se sont portés au magasin de l'ONASA pour constater la disponibilité des denrées. Selon la ministre de la Femme, de la Protection et de la Petite Enfance, son département travaille en parfaite collaboration pour toucher les couches les plus vulnérables, surtout les femmes et les enfants. Le volet Solidarité nationale est rattaché au ministère de la Santé publique. C'est pour cette raison que nous travaillons pour la défense des droits des femmes et nous faisons un plaidoyer pour que les femmes soient assistées à travers cette sous-commission qui est la commission assistance aux personnes vulnérables. C'est pourquoi nous sommes là pour s'assurer aussi avec le ministre de la Santé que nos cibles, les femmes que nous défendons, soient prises en compte dans la distribution. Le ministre de la Santé et de la Solidarité nationale s'est quant à lui appesanti sur les stratégies et le plan d'intervention sur toute l'étendue du territoire. C'est un phénomène naturel qui touche d'autres pays également. Et donc nous avons voulu, dans le cadre de la solidarité nationale, de l'action sociale, du sous-comité assistance, préparer une réponse avec les moyens dont nous disposons actuellement pour assister un tant soit peu nos compatriotes. Pour Dr Abdoulaye Sabour Fadoul, une équipe sera mise sur pied pour travailler en collaboration avec les autorités communales d'N'Djamena pour toucher les couches ciblées.
La teneur de ce communiqué numéro 124 portant sur la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce mardi 18 août 2020 sur 382 échantillons analysés, 11 cas confirmés, 2 en N'Djamena et 9 au Logan occidental, contact des 2 cas du 14 août 2020. Zéro guéri, le total reste à 865. Zéro décès, total des décès 76. 29 malades sous traitement. Le nombre de cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 970, dont 239 femmes réparties dans 15 provinces du pays. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation physique. En cas de signes tels que fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires, appelez gratuitement le 1313 le coordonnateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Ouchimi. Cette édition s'achève. L'information revient à 23h30. Quant à moi, je vous retrouve, Inch'Allah, demain avec le même plaisir.